bien mature. Oh, madame, viens ici. Quoi? Pardon, toi-même, tu fais comme si tu n'avais pas vu. Visant tous les États-Unis. Can you speak English like me? No money, no work. C'est juste. Personne. Ta mère coupe. Frère, reste tranquille. T'as pris l'avion. C'est pas ton giflet, hein? Mais de Gloria a pas en Amérique, toi tu n'aimes pas aussi. Et... Ah, pardon, qui de là? Sarah, c'est une pisseuse, elle a pissé. Hein? Je te dis, elle a pissé. Sarah pissouille. Sarah pissouille, ma chérie. Regarde. Attends, regarde. Hey, j'ai gâté un peu.
Hey, on the bed. Wow. Moi, ça m'est trop, je connais pas de nom. Le fils de ma couille en bas du sang. Viens ici. Toi. Enfin, tu découvres que tu arrives chez toi. D'où sors-tu, madame? C'est ton problème. Ça, ne parle pas comme ça. C'est pas ton égal. Hein. Ne parle pas comme ça. Ça me va quoi? On peut rien te faire. C'est pas une idée là-bas. C'est comme dans les blagues, Sarah. Méfie-toi de moi. Hey. Voilà. Tu peux me viser la babouche. Toi comme ça là, où est une autre personne derrière? Ça reste à moi que tu parles comme ça. Il y a deux personnes là devant moi, à part toi. Sarah, d'où sors-tu? Sarah, d'où sors-tu? Du ciel. Du ciel. Sarah, où est-ce que tu as pris ces vêtements? C'était gênant quoi? Mais c'est pris au ciel. Où est ton problème? Wonderful, pas là-bas. Sarah, quand tu sortais le matin, tu n'avais pas le vêtement ici. À peine tu arrives, tu as un autre vêtement. Pendant ce temps, ton matelas, des urines remplies là-bas à l'intérieur, tu ne peux pas faire entrer, tu ne peux pas faire sortir ça. Tu es obligé de crier pour que tout le quartier, pour la cité sache que mon affaire est pitoli. C'est quoi avec toi? C'est même quoi avec toi, non? Tu es toujours en train de me reprocher. Pas à ta fille. Ma fille, on dit que tu es sortie avec d'autres vêtements. Tu sors à l'autre. Qui t'a donné? Moi, quand je suis passée chez ma meilleure amie Gloria, arrivée, j'ai aidé à laver, à faire la vaisselle, à faire la lessive. Mon avis, c'est un moyen, mais elle m'a donné un vêtement cela. Maman, elle manque. Sarah ne fait jamais la elle te manque. Donc, tu crois qu'elle a pris de maman, regarde la maman, elle manque. Maman, elle manque. Maman, elle manque. Où est le mensonge dans ça? Quand tu es toujours après elle, vous, quand tu cries tout sur une enfant, la fois, n'oublie pas de ne pas comprendre ce que tu dis. Moi-même, tu fais comme si tu n'avais pas dit. Regarde, il y a un salade de vêtements là-bas, elle a lavé ça. Elle manque. C'est comment avec toi? Si tu portes le matelas, là, tu mets dehors. Ça ne doit pas révéler les soupçons. On ne saura pas que c'est elle, mais si c'est elle qui porte, on saura qu'elle pisse son lit. Pourquoi tu veux exposer mon enfant comme ça? Non, c'est moi qu'on voulait maintenant jeter la faute à maman. Viens, ma fille. Viens, toi, pour porter le matelas là, tu le pousses. Mais quoi? Ah, c'est même quoi ça, là? Toujours moi que vous jetez de la faute. Hé, pardon! Même mon matelas, ça, c'est ce que je dis à ma mère. Mais même si ça, c'est propre. Je te dis, par contre, pardon, comme t'arrives là, dis pas haut.
Pour si tu dis quoi comme ça, je vais t'oublier. Ah, on essaie. J'ai trouvé un réseau pour toi. Puis je te branche. J'ai appris que quand on arrive à l'aéroport là. Non. Là, tu te changes. C'est vrai que je me sens déjà là-bas, mais bon, regarde. Attends, je te dis quelque chose. Oh. Regarde, tu sais, quand je vais arriver, je vais d'abord penser. Tu sais que le truc de voyage, je ne dis même pas ça aux gens, non. Si j'ai pris le courage de te dire, c'est parce que je te considère comme moi-même. Nous sommes bien comme une sœur. Oh, je suis très contente de toi. On a vu chez ma grande sœur. Pardon, tu peux m'accompagner une fois là-bas. Il y a pas de souci. Vraiment la notion. Est-ce qu'elle peut te refuser quelque chose? Déjà que bientôt tu pars, elle doit plus jouer okay. avec toi. Elle n'est même pas encore au courant. Quand je vais arriver là-bas, je sens qu'elle va. Si moi, je suis contente, combien de fois ta grande sœur? Je suis très contente de toi, ma copine. Moi aussi. Voilà sa fille là-bas. Ah ok, d'accord. Chouquette! Hey, maman la belle! Hey, mon bébé! Hey. Comment ça va mon bébé? Ça va bien. Maman la belle, où est Gloria? Non, elle n'est pas là, elle est venue. Elle est à la maison, d'accord. Hey. Tu vas la voir prochainement. Mon maman est où? Elle est derrière la toilette, pas l'appeler. Oui, oui. Viens, 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 viens. C'est comment ma puce? Ça va bien. Ça va bien. Ok. Ah, ça va, tata Vanessa. Bon, on s'assoit là-bas. Tu sais qu'elle vit dans une chambre, c'est pas possible. Hé, hey, on me parle. Aïe. Tu sais qu'elle vit dans une chambre. On l'attend. Okay. J'imagine un peu sa joie. On a la belle. Oui. Maman dit qu'elle arrive. D'accord, d'accord. Ah, je suis ok. Mon bébé, comment tu vas? Bien. Bien, bien. Hey, la belle. Ah. J'espère qu'il n'y a pas un problème parce que tu m'appelles toujours avant d'arriver. Et comment? Maman, regarde mon sac. Ma grande soeur, chérie. Maman, je vais très bien. Je suis trop contente. Maman, excuse-moi, hein, quand elle voit ma petite soeur, c'est quoi ça qu'on fait? On met l'enfant se voir. C'est normal, maman, c'est normal. J'espère qu'il n'y a pas un problème, parce que tu ne m'as jamais appelé. Tu ne m'as pas appelé que tu venais. Ça va, il n'y a pas de problème, ma grande soeur chérie, laisse. Ok. Gloria. Tu es à la maison. Pardon, on va rester ici, parce que j'ai seulement une chambre. Pardon, je... Maman, il n'y a pas de souci, c'est pas fini grave. La galère. Hey. Fini le foirage. Hey. Ok. Assois tes annonces, je t'annonce une bonne nouvelle. Okay. Maman, tu as gagné au loto. Ouais. Tu viens payer mes arrêts de 3 mois. Laisse, ma, laisse ça. C'est petit. Hey. Ce qui arrive là-dedans, c'est le vrai tout. Et qui est, tu fais quoi? Le loto, c'est petit. C'est petit. Ha. Il m'a volé. Attends, je t'annonce. C'est que. Attends. Voilà, moi, je respire. Voilà, attends. J'ai eu. Le visa pour les États-Unis. C'est vrai. Attends. Toi là. Oui. Tu vas rentrer dans l'histoire là. Oui.
Oh mon Dieu, le dôme. 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 Oh mon Félicitations. Fini le parent. Ah, c'est fini. Hey, fini. Fini la galère. 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 Tu m'en bats. Ma grande sœur. Dis que non, la nouvelle, c'est fini. C'est vrai, maman. C'est vrai. C'est la nouvelle que tu viens d'annoncer. Félicitations. Donc, quand tu m'as fait porter ma sœur ici comme cela, regardez comment tu vas. Elle m'a envolé dans les airs. Maman, je suis américaine. Oui, oui. Ma seule petite sœur. Elle part. Je suis partie. C'est tout. Oh. Plus. Can you talk to me like this? Me, I'm coming from America, please. Hey, I'm coming from Paris. Maman, tu t'es pas bien, non? Mm-hmm. Hey, bon, là, c'est le pigeon un peu, mais ça ne fait rien. Non, on va te dire. Oh, c'est très content pour toi. C'est content. Oh. Merci, maman, la belle. Oh, mon bébé. Mon bébé, can you speak English like me? No money, no work. Hein? Personne n'entre, personne ne sort. Pardon. Laisse ça, s'il te plaît. Pardon, c'est chéri. Pardon, la belle, viens. Je vais te dire quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Tu nous donnes une minute. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Juste pour ton surprise. D'accord, ma fille. Une surprise aussi. Maman, c'est bien quoi? Ah, mais quoi, reste tranquille. Tu es malade. Mais c'est quoi? Tu fais annoncer ça devant ta copine. Tu te dis à ta copine comment? Tu fais ça comment? Mais je fais ça mal. Je te gifle. Ma meilleure copine. Meilleure. Ta meilleure copine comment? Hein? Il y a de meilleures copines ici dehors. Comment tu es naïve? Il y a une de meilleures copines ici. C'est un poison. Tu connais comment les copines font ici dehors? Ma meilleure amie. Tu devais te cacher. Me dis à moi seule. Hein? Tu veux qu'elle t'empoisonne? Hein? J'espère que tu n'as pas dit le jour que tu partais. Tu ne lui as pas dit ça, n'est-ce pas? Ne le dis même pas. Tu connais comment les copines sont? Ils ne marchent même pas avec. Quand vous arrivez là, vous vous séparez. Tu dis que tu viens vivre chez ta soeur. C'est même quoi? Oh, mais tu vas même vivre ailleurs. Jusqu'à ce que tu partes. Elle va seulement découvrir que tu es partie. Merde. Non, mais donc, tu me gifles pourquoi? C'est tout qu'il faut que tu te mettes dans la tête. Sans t'empoisonner, je te dis encore m'appeler aux États-Unis. Hein? Ce que je voulais te dire. Non, quand je veux que tu es venu avec quelqu'un d'autre pour me parler de ça, ça m'a frustré. Elle est au courant avant moi. Moi qui suis ta seule soeur. Parce que t'es giflé. Hein. Ça va. Comment tu les bêtises. Il faut que les vrais comprennent. Et c'est pas de l'air. Tu as compris. Il n'y a pas de meilleur ami quand il faut voyager. Dis-moi, venez vite à maman. Je veux qu'on trouve. Tu sais que l'agence qui m'a embauchée, qui m'a trouvé le visa pour les États-Unis, mm-hmm. J'ai seulement 3 jours après au Cameroun. Donc je pars dans 3 jours. Dans 3 jours, on va t'accompagner à l'aéroport. Et tu vas faire comment de Gloria, ma? C'est surtout ça qui m'inquiète. Oui, je ne sais pas vraiment où je vais la laisser. Je vais en fait te demander si Gloria peut rester ici avec toi autant que je m'installe aux États-Unis. Oui, maman, est-ce que c'est un problème? Gloria, c'est ma nièce. Est-ce que j'ai 2 nièces? C'est ma nièce, je n'ai pas de problème. Elle peut rester ici avec moi. C'est ma fille. Je ne reste pas avec elle, comment? Tu oublies que Chouquette et elles sont comme des jumelles. Mm-hmm. Même comme Chouquette a 16 ans et Gloria n'a que 10 ans. Mais oui, tu vois, ce sont des enfants. Mais le souci, c'est que j'ai 3 mois d'aérer ici. Et tu sais que j'ai seulement une chance. Regarde, j'ai un bon plan pour toi. Parce que l'agence qui me fait voyager, oui. Ils m'ont bien trouvé le travail. Mm-hmm. J'ai un bon salaire. Après, les taxes qu'ils vont retirer et tout, ce sera 1 million le mois. Le salaire. 1 million. Non, je voulais que tu viennes vivre avec Gloria chez moi. Je paie le loyer, le racine, je fais tout. Tu prends seulement le nécessaire, tu fais même cadeau, tu fais cadeau de tout ce que tu as ici à quelqu'un. Je ne vais même pas payer là. Je vais moi seulement prendre mon sac, appeler ma voisine, comme elle n'a même rien là. Elle peut importer tout le reste. Je vais même, maman met le matelas, ok, je me couche là, elle reste avec. Je prends seulement mon petit sac avec quelques habits. Je pars moi vivre dans ta belle maison là. Non, je vais payer le loyer là même. Pas que tu sois.
Tu vois un peu. Ok, tu as des problèmes, il est fini. Eh, ma petite soeur chérie. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente. Et moi donc, je vais aller vivre dans ta belle maison. Regarde, on fait comment pour maman? Je n'ai pas encore annoncé la nouvelle. Et je pars dans 3 jours. Dans 3 jours? Oui, parce qu'ils ont dit qu'il faut que je commence le travail. Pardon, appelle maman. Appelle maman. Attends, appelle que tu annonces la nouvelle. Ken. Non, on n'annonce pas la nouvelle. On dit plutôt qu'on a un problème qu'elle vient urgemment. Urgemment, oui. Là, je suis tellement mal. Ça va aller. Grave mal. Ça te va, c'était un peu têtu. Allô, ma. Maman. C'est la belle. Oui, ma, c'est que je me sens pas bien. Il faut que tu viennes maintenant. Vas-y, qu'elle est là, oui, ma, c'est jamais demain. Ma, c'est comment? C'est ton gars. Ma, pardon, si tu ne viens pas, je ne connais pas moi comment elle va faire. Voici la belle. Nous sommes comme ça là à la maison, on veut l'amener à l'hôpital. C'est trop grave. Elle est en train de fondre, on ne comprend pas ce qui se passe. Pardon, viens. Laisse l'histoire de Souza là, tu prends la voiture maintenant, tu viens. Pardon, maman. C'est très urgent. Je ne veux pas qu'elle meure entre mes mains que tu n'es pas toi là. Pardon. Ah, ne me crie pas. Oui, je parle de mourir. Oui, c'est à ce point-là. Maman, pardon, viens. Elle a dit qu'elle arrive, qu'elle retourne. Elle rentre. Et que de ce sapin, voilà directement. Okay. Bon, maman, c'est vraiment la fesse. Dès que maman vient, il faut l'appeler parce que nous sommes chez toi. Donc, elle vient te trouver ici, vous venez chez moi. D'accord. Oui, voilà, okay. Je vais essayer de me séparer de ma copine. Oui, va te séparer, je viens. Oui, ma. La voiture te laisse déjà, hein. Ok, viens plutôt chez moi, hein, parce qu'elle est venue tomber ici chez moi. Oui, oui. Ma copine, tu as duré jusqu'à... Ouais, c'est ma soeur, non? Elle me montrait ce petit poulailler qu'elle a derrière. Ah, d'accord, ok. On fait comment alors? Elle est où? Elle est restée derrière. Elle est ici là, à la véranda, je sais pour moi quoi faire. Viens vite, maman, viens. D'accord, maman, tout à l'heure alors. Maman chérie. Ah, mof, future américaine. Waouh, ma copine, tu es très contente. Ma petite sœur, tu es belle, comme ta copine aussi. Elle est bien jolie. Merci. Ah, j'ai fini au téléphone. Ok. Bon, on va alors descendre. Comment c'est dit? D'accord, maman, d'accord. Okay. Mon bébé, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bon. Comment c'est dit, ma grande sœur? Ouais, d'accord. Tu prends bien soin de toi. Bye bye, maman. Bye bye. Bye bye. Tu es belle. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ma, tu as appris l'avion. C'est pas te gifler. Hein? Mais de Gloria pas en Amérique, toi tu n'aimes pas aussi. Eh? Tu me demandes si j'ai appris l'avion. Tu peux pas me poser la question si tu es allé ici à Kyoshi. Tu as appris l'avion. Ma femme me regarde la madame là. C'est même que sorcière ça. Tu es sorti même dans le ventre de qui? Et Dieu, la belle a toujours eu la chance. Depuis que nous sommes nés, c'est toujours elle que les hommes draguent. Et les bons hommes, pas les gens qui sont venus me déposer ce genre d'enfance dans mon ventre. Hey, les bons hommes. La petite là, non. Où elle pratique, où elle fait comment? Là, voilà maintenant qu'il va prendre l'avion. Pour aller où? Aux États-Unis. La belle. Toi, non. Je te priais. Tu ne donnes pas ma part des États-Unis, c'est que toi et moi, on va se gâter. Seulement tu peux pas comprendre. Ah.
Ce n'est pas Gloria là-bas. Gloria, viens ici. Gloria, n'est-ce pas que je t'avais demandé de ne plus admettre ma soeur chez toi, non? Non, je ne... elle est venue seule. Elle est venue seule. Je me dis que ta soeur va copier, mais si tu viens, c'est là que tu vas rien, que tu passes ma la bouche. Ah bon? Oui. C'est ce que ma soeur t'a dit. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Tu lui as donc donné les vêtements qu'elle avait ce matin. C'est parce que non. C'est parce que comme en tant que je dormais au salon maintenant, elle m'a dit qu'elle est partie prendre l'eau pour boire. Elle l'a déposée en bas de mes pieds. Maintenant, comme moi, en bougeant de la nuit, j'ai donc tapé sa tête vers son habit. Et je me sens ça aussi mouillé sur mon habit. Mais elle a dit qu'elle n'est pas partie comme je lui ai pas donné mon habit. Attends, c'est ce que Sarah t'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Sarah va me tuer. Sarah te manque. Sarah hein? te manque. Hein, Gloria, tu as une copine. Par contre, elle est arrivée tout à l'heure à la maison. Elle s'est dit que vous étiez en train de faire la lessive. Non, elle m'a rien. Ce n'est même pas moi qui l'ai réservé de la maison ici. Ah bon? Gloria, ta copine te manque. Donc, tu veux me dire que vous étiez en train de dormir ensemble. Vous vous êtes réveillé, vous avez vu l'eau au sol. Oui. Ah, pardon, qui de là? Sarah, c'est une pisseuse. Elle a pissé. Hein? Je te dis, elle a pissé. Sarah pissoli. Elle pissoli, ma chérie. Laisse. Pas chez moi. Sarah m'a hué. Donc Sarah pissoli.